ONG Vivre Mieux, Dame ou Rabitan. On y va. C'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Il y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, il y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Jamais. Il y a des couleurs. Horoscope du jour. Jeudi 26 septembre 2024. Bélier, si vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche de votre partenaire. Tout ira bien. Vous serez plus conciliant. Célibataire, un climat passionné attisera vos sentiments, mais attention, ne vous montrez pas naïf. Orientez-vous vers des actions de longue haleine. Taureau, vous ferez preuve d'un esprit très critique envers votre partenaire. N'exagérez pas. Certes, l'être aimé n'est pas parfait, mais il n'a pas tous les défauts non plus. Sinon, pourquoi resteriez-vous? Vous allez devoir faire la part des choses et apprendre à lâcher prise. Tout ne peut pas toujours se passer comme vous le voulez. Certains de vos collaborateurs qui ne sont pas surchargés seront peut-être ravis de vous donner un coup de main. Gémeaux, vous avez besoin de vous sentir aimé, mais vous avez peur de vous laisser aller. Vous pourrez jouir d'une vie de couple harmonieuse si vous évitez les rapports de force. Célibataire, il y aura du coup de foudre dans l'air, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. La lenteur de certains collègues vous irritera. Apprenez à vous maîtriser et à garder votre calme. Cancer, vous remettez sur pied un projet que vous aviez mis de côté avant de vous rendre compte qu'il y avait une bonne raison à cela. Vous serez pris à partir et vous serez obligé de prendre position malgré vos réticences. Vous en sortirez avec les honneurs. Lion, en famille, vous serez d'humeur légère et tout disposé à repartir du bon pied. Vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie sentimentale. Vous ne risquez pas de vous ennuyer. Les couples en profiteront pour discuter, s'aimer et se disputer aussi. Votre vie professionnelle sera mise en vedette. C'est le moment idéal pour vous plonger dans un travail de fond. Vous serez particulièrement efficace et vous pourrez vous imposer. Vous vous occuperez très sérieusement de vos finances. Il était temps. Vierge, vous ressentez trop de pression de la part de votre partenaire. Ne vous laissez pas bousculer et exprimez votre malaise avant que la situation ne dégénère. Tout garder pour vous ne fera qu'accentuer les choses. Certaines décisions ne peuvent être prises qu'à deux. Et si ce n'est pas le bon moment pour vous, il faudra bien qu'il patiente. Sachez saisir votre chance. Elle ne se représentera pas de sitôt. Balance, la vie amicale sera privilégiée. Vous vous sentirez entouré et apprécié. Vous jouirez probablement d'une vie culturelle très riche et vous multiplierez les sorties. Vous serez enfin en mesure de surmonter les obstacles qui vous barraient la route. En faisant preuve de plus de réalisme à l'avenir, vous pourrez éviter de rencontrer les mêmes embûches. Scorpion, vous aurez tendance à en demander beaucoup à votre partenaire. Pourquoi n'êtes-vous pas aussi exigeant avec vous-même? Vous ne pouvez demander ce que vous n'êtes pas capable de donner. Célibataire, vos exigences ne sont pas réalistes. Soyez plus terre à terre. Ne réfléchissez pas trop longtemps avant de vous décider. Sagittaire, vous devez faire un choix important. Heureusement, votre ciel sentimental s'éclaircit. Les planètes semblent vouloir vous faciliter la tâche. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'agir dans la précipitation. Gardez un œil sur l'équilibre de votre budget, même s'il vous semble stable. Capricorne, c'est en famille que seront vécus les moments les plus tendres. Vous privilégiez donc ce secteur. Consacrez du temps à votre conjoint, à vos enfants.
Cela vous permettra de souffler un peu. Le boulot devra passer après. Votre énergie vous permet d'être reconnu dans votre travail. Attention à la jalousie de certains collègues. Verseau, vous avez envie de voir des gens nouveaux, de vous aérer l'esprit. Ce quotidien routinier qui vous pesait ces dernières semaines n'aura pas eu raison de vous. Bravo, vos efforts vont bientôt porter leurs fruits. Ce serait dommage de tout abandonner si près du but. Allez, remotivez-vous pour cette dernière ligne droite. Poisson, vous aurez l'impression de n'avoir pas eu une seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront votre attention et votre temps. Ne faites pas semblant de vous plaindre. Vous adorez vous sentir indispensable. Vous n'aurez pas vraiment la tête au travail. C'est le domaine financier qui aura toute votre attention. De petits imprévus risquent de mettre votre budget en péril et cela vous inquiète. Dame Euravitan, visionnaire astrologue, vous souhaite une excellente journée et vous informe que le samedi prochain se tiendront des cérémonies du Fa au Temple des Grandes Victoires de 7h à 17h. Vous pouvez venir donner la nouvelle Niam à votre Fa. Vous prévoyez 5000 francs. Vous avez la possibilité de venir faire laver votre Fa. Vous prévoyez 10000 francs. Et pour celui qui n'a pas encore son Fa, vous pouvez prendre votre Fa. Vous prévoyez 20000 francs. Et c'est la première étape pour les hommes. On appelle ça le facissin. Pour la femme, avec 20000 francs, elle fera ce qu'il faut pour avoir son fa. Donc, nous vous invitons à venir profiter de ces différentes cérémonies qui se tiendront le samedi prochain, le samedi 28, de 7h à 17h, au Temple des Grandes Victoires. Le lendemain, dimanche 29, aura lieu le déjeuner spirituel. Lors de ce déjeuner, chaque participant va recevoir un pigeon entier, déjà préparé, bien rôti, qu'il va manger. En faisant ce déjeuner, vous allez prendre tout votre temps pour demander ce que vous voulez. Vous mangez tout le pigeon en entier, sans toucher à sa tête, ni sans broyer ses os. Quand vous allez finir, nous allons vous remettre une poudre accompagnée d'une gousse de piment de Guinée. Arrivé à la maison, la tête du pigeon et les os du pigeon, vous mettez le tout dans un canari, vous y ajoutez la gousse de Guinée, vous déposez au feu. Après les avoir calcinés, vous transformez en poudre et vous mélangez à la poudre que vous avez reçue lors du déjeuner. Tous les matins, pendant 7 jours d'affilée, vous prenez la poudre, vous prenez une boisson de votre choix là-dessus pour avaler. Et vous demandez l'abondance financière. Et c'est après une semaine que vous utilisez la poudre une fois par semaine jusqu'à terminer cette poudre. Mais vous allez constater que l'argent va venir à vous. L'argent viendra à vous où que vous soyez. Donc profitez de cette opportunité pour participer à ce déjeuner spirituel. Nous avons prévu arrêter l'inscription hier 25. Mais nous avons donné encore la chance à 10 personnes de s'inscrire parce que la liste qui était, le nombre de personnes qui était prévu, il a encore 10 places disponibles. Mais il faut vous inscrire en appelant le 96 44 90 89. C'est sur ce numéro que vous allez faire le dépôt. Mais il faut appeler d'abord et avoir la confirmation que vous pouvez envoyer au cas où la liste n'est pas encore prête. Chers amis, je profite pour vous dire que le 1er octobre, nous serons en Côte d'Ivoire pour 14 jours, 2 semaines. Et le 15, nous redescendons au Bénin. Lors de notre séjour, nous aurons plusieurs activités spirituelles à faire. Et pour notre numéro que vous pouvez appeler en Côte d'Ivoire, appelez le 05 02 23 74. Et nous profitons pour vous informer que le mois d'octobre est déjà là. Dans le mois d'octobre, nous avons deux signes qui seront moins chanceux, Taureau et Vierge. Ils ont besoin du savon sage et du parfum Salomon. Quant aux 10 autres signes, vous avez besoin du savon sachet. Dans le mois d'octobre, vous êtes facile.